Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette super simple pour faire de la pâte à modeler maison et non toxique. Donc, voici les étapes pour faire ce bricolage. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On peut mettre des huiles essentielles même dans notre pâte à modeler si on veut qu'elle sent quelque chose. Donc, ici, ben, j'ai des huiles essentielles dans celle de couleur. Donc, on rajoute quelques gouttes de colorant alimentaire, une goutte d'huile essentielle et voilà, le tour est joué. Vous avez votre pâte à modeler qui sent quelque chose et en plus, elle change de couleur. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou YouTube. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo, pour un autre bricolage. Je vous souhaite une bonne fin de journée.